nous accueillons des élèves des collèges et même d'autres lycées qui ont souvent mal vécu leur scolarité. Il faut leur redonner confiance en eux. Et ces ateliers permettaient qu'ils se sentent un peu plus apaisés avec la scolarité et aussi en entreprise. Donc c'est des ateliers sur lesquels on va travailler sur l'estime de soi, sur l'image qu'on renvoie aussi aux autres, donc ce qui permet de faire le lien avec le monde de l'entreprise. Alors, nous commençons avec surtout les ateliers avec les secondes professionnelles dès le départ, dès le début de l'année, des ateliers pour les préparer à aller en entreprise. Et là, on va faire des ateliers téléphone, des ateliers estime de soi avec une coach scolaire qui vient exprès. Ensuite, on a des ateliers de face à face. Les professeurs se mettent à la place de professionnels et les élèves viennent se présenter comme s'ils venaient en entreprise avec des conseils sur leur savoir-être, sur la tenue vestimentaire, la façon dont ils vont parler aux chefs d'entreprise. Dans un autre registre, on travaille aussi, et donc ça c'est plus avec les premières, sur la prévention des risques liés à la fête. Ce que m'a apporté cet atelier, c'est que j'ai, enfin, de parler à un patron pour aller chercher un stage, ça m'a vachement aidé parce que je ne parlais pas beaucoup. Même en seconde, quand je suis arrivée, je connaissais personne et ça m'a permis de justement aller vers les autres et de moins être timide. L'atelier, si on en parlait, a servi à donner son opinion sans se sentir jugé. Et bah, c'est intéressant de pouvoir donner son opinion sans avoir un regard négatif envers les autres. Pour ces élèves-là, c'est une première et souvent ils s'expriment beaucoup et ils expriment un petit peu quelquefois un petit peu leur mal-être et ça permet après de les aider. Le bienfait des ateliers, c'est faire le parallèle en fait entre ce qu'ils vivent en entreprise et le lycée, donc de redonner un sens au quotidien au lycée.